On se croirait dans Ori, un petit peu. Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. Qu'est-ce que c'est que ce truc? The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Je crois qu'on va être invincible grâce au baiser de madame. Très important le baiser de madame. Ça met dans l'ambiance. Putain, les chargements, ils sont longs. Hein. Pour un jeu de cette trempe, quand même, c'est assez bizarre. Je déplace mon personnage. Ok, on peut foncer. D'accord, on a une sorte de barre de stamina sous le personnage. It first appeared as sludge given life, slithering creatures. Small and vile. Oh. D'accord, et la barre bleue, c'est la barre de bouclier. Marrant. Ok, donc l'esquive et bouclier, c'est des barres à part. On s'est fait toucher! Ok,
d'accord. Et des portes où on est obligé de tuer tous les ennemis pour que ça s'ouvre. Ce serait pas un lapin. Putain. Esquiver les attaques. C'est chaud quand même d'esquiver les attaques. Quand on n'a plus de stamina, ça doit être pour régénérer nos PV, je pense. En effet. Est-ce que c'est toujours là? Ouais, c'est bien ça. Il n'y a rien de particulier. Le design est un petit peu particulier quand même. C'est pas moche. Mais c'est vrai que ça a son style. Ça fait penser un petit peu à Hyper Light Drifter, je crois. A wall impeding further progress. A battle was certain. Battle was certain. Putain, il y a du monde ici. Hein. Banished by light itself, the corruption abated. Leaving the shard cold in hand, dark, in need of life. Le jeu qui passe en 1 FPS tout d'un coup. Ah, pour l'instant, ça... Bon, c'est assez basique. Ok. The shard grew warm, humming softly from the harnessed energy. Les ennemis touchés se mettent à brûler. Ok. Ok, ok. Before him was now one more dangerous than those that came before. Revanche. Ok, on va appuyer sur Select. Recevez un point de compétence. Ok. 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 Pour apprendre. Ah ben on peut apprendre que ça, ouais. Une nouvelle compétence devient disponible au fur et à mesure que vous dépensez des points de compétence. Okay. Utilisez avec Y. Ça marche avec du cooldown. Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Magnificent, but dangerous. A land of love found and of love lost. Ok.
Ouais, ça fait penser un petit peu à Hyperlight Drifter. Bon, c'est pas trop le même monde, évidemment. Par contre, je sais pas si c'est normal les sortes de d'artefacts qui apparaissent sur l'écran, c'est assez bizarre. J'ai peur. Je sais pas si le jeu a des problèmes de d'optimisation, mais c'est bizarre. Bon, j'ai pas l'impression qu'on ait des interactions avec le décor. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Ah! What? Qu'est-ce que c'est? Mais je voulais boire, sauf que j'ai un problème, ma paille a disparu. Où est passée ma paille? Ah, la voilà. On va y arriver. Ma paille, ma paille. Elle est rentrée dans le liquide. Ah, ben voilà, ça va mieux. Désolé pour... Oh putain, on peut attaquer avec le stick droit. Alors ça, j'avoue que je m'y attendais pas trop. Putain, c'est toi qui m'attaques. Remaining calm and collected. The shock of his heart skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Okay. RB. Basique, before the guardians, mais sympa. Beasts feeding, but monsters consuming, destroying others, they corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Ah merde, il y a des petits. J'aurais dû faire le gros truc là. La grosse magie. Both father and daughter gathered their thoughts, their hearts heavier than before. How would they explain what they had witnessed? Oh, un petit succès. The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption.
A cruel entity spoken of only with hushed voices. An ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergson's duty was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the Sanctuary. Given to the Bergsons by Rhea herself, the Sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's three spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the three spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. Retour à la maison. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est spécial comme façon de choisir. Ah d'accord. Bibliothèque. Je peux pas faire grand chose pour le moment, j'ai l'impression. Bon bah on va aller là. D'accord, on peut choisir. Oh. On va prendre l'archère, ma fille. Et bien ce que j'avais vu, la famille en fait, c'est les classes de personnages. A celestial shard chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. It would be the Bergson's lifeline, a tether to pull them back home before death's fateful whisper. Mais les temps de chargement ils sont longs quand même. C'est dommage. J'ai l'impression ouais, que le jeu a quelques problèmes d'optimisation. Ce qui est assez dommage. On peut utiliser R. Ouais donc c'est ça, ouais, le stick droit nous sert à attaquer. L'endurance lui permet de tirer pendant qu'elle se déplace. D'accord, ça consomme de l'endurance. Ok, c'est quoi ça? Donc on a les compétences. Harmonie. On verra ça plus tard. Oh putain. Je sais pas si c'était une bonne idée de la prendre en fait. On a pris une mode hard. Ah ouais. Là. C'est vrai qu'on peut esquiver.
Du coup, elle a quoi? Elle a pas de LB, elle. On verra bien. Ah, elle peut esquiver deux fois. Oh, c'est bien ça. D'accord, donc les personnages sont vraiment différents des uns des autres. Ils auront sûrement leurs caractéristiques propres. Ils ont bien fait leur jeu. Je crois que c'est un Kickstarter à la base. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois bien que c'est un Kickstarter. Donc là, il faut une gemme, ok. D'accord. Quand on n'a plus d'endurance, c'est comme ils disent, donc on peut toujours tirer, mais on peut plus se déplacer. Ok. Oh putain la vache! Il y a des pièges, d'accord. C'est bon à savoir ça. Linda a gagné un point de compétence. Utilisons le point de compétence. Je peux utiliser un des deux. Alors, dégâts 120%, Linda tire une flèche en l'air et elle retombe sur ses ennemis avec une force explosive. Ou réduit l'endurance que Linda avait passée en déplaçant durant tout en augmentant la durée. Ah, c'est un sort ça aussi. C'est un sort ou c'est pas un sort? Ah, c'est pas un sort, c'est un truc passif. Attendez. Fais comment pour aller là? Voilà. Ça doit être ça, ouais. Les ronds, c'est passif. On va prendre ça quand même. Il y a une porte. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, ça nous attire, d'accord.
Ah, on peut pas traverser les zones apparemment. Enfin, les ennemis. Ok. Trouver le portail, la salle finale. D'accord. À la Diablo un petit peu. J'aime beaucoup même. The thinnest strands of white fibers coated the ground and walls, evidence of the silk caverns living up to their name. Oula. Gagner un point de compétence. Oh non! 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 Oh putain! Et merde. Bon, lui est mort. Voilà. Un pont des araignées. C'est quoi ça? Faire gaffe parce que on n'a pas trop de vie quand même. J'ai une gemme, mais j'ai pas de gemme.
D'abord, elle est là. Oh. Rien d'autre. On est peut-être arrivé à la fin. Ouh la vache, il y a du monde ici. Alors, putain, j'ai fait me tromper. Compétence, ok. Donc on peut augmenter. Ah non, on peut pas. Ok, d'accord. On peut pas. Je me demande comment on va débloquer les autres personnages. Oh putain la vache! Oh là là là! Oh là 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 là! Où il y a du monde! Où il y a du monde! Oh la vache, le monde! Par où? Putain, mais ça respawn ces machins. Putain, il y en a un autre ici. Oh putain, vous déconnez les gars. C'est celui de tout à l'heure ou quoi? Il est pas mort? Merde. Vous l'avez pété avec la plante. Toujours pas à quoi ça sert ces machins. Hop. Hop. Putain. Wow.
Une araignée sniper. Putain, ça... Ah ouais. Ça nous attire un truc de fou, quand même. Par contre, ouais, ça les attire pas du tout. On a repris toute notre vie, j'avais pas fait gaffe. C'est bien ça. Ça nous aime pour le moment. Ah. Voilà. Eh ben dis donc. Il y a du monde par ici. Oh, une gemme. Je sais pas si c'est une gemme. Peut-être. Une gemme ? Ah, c'est une gemme. On va aller d'abord au truc de la gemme. Du tout, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je sais plus où c'était. Ça devait être au début. Ah, c'est ça, c'est là, je crois. Non. Ah, si, c'est là. Ah, merde, c'était pour de l'argent. Ok. Putain, ici aussi il y a un truc. Ok, on reviendra plus tard. Hein. J'ai l'impression que ça va être la fin. De l'argent. Là il y avait quoi du coup? C'est quoi ça? On peut revenir, putain, on peut pas revenir. Oh, je suis dégoûté. Putain, je suis dégoûté. Ah, je déteste ça, quoi. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Un boss. Ah, très sympa de ta part. Ouh là là. Je sens qu'on va pas être amis. Ouais. Je suis pas sûr que... Ça va être chaud là. Oh putain, vache. Oh non. Non, là je crois que... Adieu. Non, c'est... L'archère était une très mauvaise idée, je pense. The Bergson began to slip away, wondering if this was death
Personne n'ont échoué à l'endroit suivant, le terrier. Ennemi, tu es 30. Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok. Non, c'est sympa. Franchement, sympa. They gasped for air as the celestial shard brought them back. A sensation no hero could become accustomed to. On était obligé de mourir. As she heard John and Linda describe their foray, thoughts rushed through Margaret's head. The corruption had amplified the creature's wickedness, and no longer were they part of the harmony of the Rhea. With the new threats looming, Margaret asked Ben to prepare his workshop. He would have to take charge of enhancing the warrior family's weapons and armor. Ah, on était obligé de mourir. Ah, pourquoi pas? Uncle Ben reached out to the Uncle familiar Ben. Warmth of the forge. If they were to Uncle reach Ben. The top of Mount Mortar, their equipment would need to be of the highest quality. Ben utilise les Dream. Caractère principal de la famille. Ouais, bah c'est normal. Ah, ok. Manque de dégâts. La vitesse. Ça peut être pas mal, ça aussi. On va faire ça. Nothing could quite match the calm that Linda felt playing her violin. Its sublime sound, the perfect counter to the nerve-wracking uncertainty and chaos. Okay. Je suis content d'être mort quand même, parce que vu qu'on avait loupé des pièces. On va prendre monsieur. Maintenant, compétences. Réinitialisation d'aptitude. Personne ne peut utiliser des œufs mystérieux qu'il trouve sur les terres de Morta. Ok. Maintenant, non, je ne veux pas réinitialiser. Début. On peut jouer à deux, apparemment. C'est bien ça. Franchement, content qu'un jeu comme ça soit sur le Game Pass. Merci Microsoft. Tututu. Oh putain, c'est vrai qu'on a des... On est... Hein? Ah putain, merde! On a perdu la compétence du bouclier. Ah, c'est... D'accord, d'accord, d'accord. Putain, du bouclier. De la sphère. Putain la vache. Ah
C'est le tank de la famille, monsieur. Compétence. Du coup, on a quoi là? Les attaques au corps à corps subissent des dégâts. Hein? Ah, les attaquants au corps à corps. Ok. Bon, y a que dalle. D'accord, c'est un compteur de combo apparemment. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Contient 3 gemmes. Les charmes sont des objets trouvés sur un terrain mortel. Ok. Bon, on va essayer. On va bien voir ce que ça fait. Ah, mais non, c'était pour me donner des gemmes. J'ai rien compris à cette histoire de charme. Regardez. Si on pouvait augmenter la vitesse d'attaque un tout petit peu, ce serait parfait. Et merde. On se prend des coups pour rien. Ok, on va recommencer. Ouais, bon. C'est juste de l'argent, on s'en fout. Putain, ça continue. Ah. Ah merde, il y avait rien. Ok, on avait tout visité déjà. Ouais. Bon.
halls of Anaya Daya, so mesmerizing in their magnificence, were to be found at the end of a long road. And a hero never knows what is awaiting them at the end of a road. Moving is more important than reaching. Ok. Donc on était bien obligé de mourir tout à l'heure. Merde. J'ai pas assez. Merde. C'est bon. Pas facile d'avoir des gros combos quand même. Oh putain, encore un ennemi. Ah, je vois rien. C'est marqué ? Viens ici. Ah, ok, donc ça c'est un charme au prix d'une perte faible mais constante. D'accord. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de prendre ça, mais bon. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah.
Ouais, on va jouer bien. Ouais. Rien ici. Des potions, s'il vous plaît. Des petites potions. Putain, il y a beaucoup de chemin là. Ah, c'est le boss. Bon, ça au moins on sait que c'est le boss. Ok. On va pas se faire avoir une autre fois. C'est surtout le boss avec la vie que j'ai maintenant. Ça va pas le faire. Crée un totem qui tire sur les ennemis qui l'entourent. Oh. Ok. Ah, c'est strange thing could have dragged grandmother this far. The will of Rhea will flow in those still obelisks to aid the guardians. This was the only thing Margaret silently whispered. Oh, permet de se déplacer dans une certaine direction. C'est comme les hôtels de, enfin les obélisques de Diablo. Ok, sympa. Bon, on va continuer avec ça. Putain, on n'était pas allé en haut. Sandek. On n'était pas allé en haut. Ah non. Ah mais si, c'est là d'où on vient. C'est là d'où on vient. Maintenant, on peut aller à gauche. Non, pas par là. Oh là 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 là. Merde. Dans le caca. Pas de potion en plus. Ah les salauds. Oh la vache, non. 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 9. Au secours. Au secours. Ah, c'est quoi ça? Augmente grandement les chances. Ok. Non. Salaud. Putain, c'est dégueulasse. Il m'a touché quand j'ai activé le truc. Ah, je suis pas d'accord. Oh la vache, on va mourir. On va mourir. Oh putain, on va mourir. Oh là là, je crois qu'on est dans la merde. Hein. Ah oh. Oh là 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 là. Oh, oh, oh. Oh putain. Eh ben dis donc, j'ai cru qu'on y allait y passer. Ah putain, mais je peux toujours pas activer ça. Putain, il en faut 4. Ah non, non, voilà, voilà. Je peux faire ça. Bouclier d'épines. Frappe céleste. Ouais, c'est peut-être mieux ça. Parce que j'utilise quand même pas mal.
Débloque ses propres traits de famille. Ok, traits de famille. Ah bon? Augmente le de tous les membres de la famille. D'accord. Oh, c'est sympa ça. Augmente l'armure de John. Ok. Ah, c'est le paladin. D'accord, lui, c'est le paladin. D'accord. On va aller en bas. Ça me fait peur. On va d'abord aller en bas. Ah! Je m'y attendais pas! Toute seule. Il doit y avoir un truc putain là-dedans, mais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Pot de pierre. Ah, ça doit être beaucoup mieux que celui que j'avais pris tout à l'heure, je pense. Et ça, c'est quoi? Soigne instantanément. Merveilleux. Et en plus, on a pot de pierre. Oh non! Oh! D'accord, donc eux ils sont. Enfin les pièges. Les piques plutôt. Les piques peuvent toucher les ennemis, d'accord. Oula. Le jeu parfois il a du Not mal. All in the caves were refugees. Some Ah were just putain. Traveling merchants stuck in a bind. J'étais sûr que ça allait être un truc dans le genre. À la Binding of Isaac et tous les trucs, tous les jeux du genre. Putain, on peut faire un combo de ouf là. Looking shopkeep dusted off his clothes, tipped his hat. He invited them to stop by his shop later, promising something for all adventuring needs. Les dégâts que vous infligez sont doubles lorsque l'autre sentait en dessous de ça. Donc c'est tout ce que tu nous offres. On peut aller là, non? Mais c'est bien parce que du coup, ouais, ça augmente petit à petit ce qu'on va trouver dans les donjons. On débloque au fur et à mesure, c'est bien, ouais. On voit que c'est fait par des passionnés, quoi. On va aller voir le boss. Espérant que ça se passera bien. Ça va être encore l'araignée, j'imagine. Non? All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Putain, on devient invulnérable carrément. Quoi. Carrément, on lui fait pas de dégâts. Mais je l'aurais jamais. Ah d'accord, on peut la voir quand elle est en haut. Ok. Fallait dire.
Waouh, ça prend une minute pour réapparaître, ça. On va peut-être la voir. Ah, peut-être pas, en fait. Je sais pas. On va t'avoir. Merde. Allez, si je fais pas le con, si je joue bien, hein, il devrait l'avoir. Ou pas. Qu'est-ce que je fais là? Je joue comme un pied. Slowly beckoned to bestow its peace. Vaincre la reine des araignées. On l'a vaincu. The Bergson could go no further. The path blocked. The life crystal, as if filled to the brim with life, started to pulse. A way had opened. A step closer to the spirit at the heart of the caves. Though before taking that step, caution dictated a return to home to inform the family of the newfound passage. Ah, d'accord, on débloque le nouveau donjon grâce à ça. Bon. Ben, on va s'arrêter là. Franchement, très bonne pioche. Merci à Monsieur Microsoft d'avoir mis ce jeu-là un petit peu par surprise sur le Game Pass. Ça fait vraiment plaisir. Worried for the missing boy, Ben thought that maybe he should have hidden the daggers better. Margaret, in her wisdom, knew that nothing would have remained hidden from Kevin forever. Now, she only encouraged her son and his daughter to hurry and find him. Bon. Ah non, pas bon. Bon. Kevin returned from his saga with barely a scratch, yet he found no appreciation from his family, especially his father. Despite having Linda on his side, his father was still mad at him for endangering himself and worrying them all, including his pregnant mother. His favorite line, asking how he could be so inconsiderate. He wondered whether Uncle Ben would understand his bravery and initiative better. With his heroic act unrecognized, the young boy waited, frustrated, expecting more punishment. What Kevin had not expected was his parents' reaction. Heartened by his courage, his father was going to teach him the ways of battle, and his mother was far from the frail and always worried housewife she had seemed. A Bergson through and through, she gave him her blessing and asked only that he temper his courage with caution. La voix anglaise est très bien. Uncle Ben was the happiest of them all. Not only had his nephew held his own in combat, but had done so with the weapons he had made for him. Kevin only wished his older brother Mark was there to witness his rise to the family calling. Ce sera l'assassin. On a le paladin, l'amazone et l'assassin.
Est-ce qu'on aura un nécromancien? Et le mage? Le mage. Defeated, the Spider King had been removed from the path leading to the halls of Anaya Dire. Although the pestering of greedy goblins might still prove dangerous along the way. Uncle Ben was pointing out possible routes Uncle forward, Ben, speaking of the troubles pilgrims had run into in the lost trenches. Ouais, c'est pas mal d'avoir essayé de mettre un petit scénario quand même. Seul problème, c'est qu'ils ne disent pas The Miracle. Comme dans ce jeu 2D qui ressemble un petit peu à Dark Souls, mais en version vieille. Passer de ressources. Ah, le truc, the c'est... mysteries of the world were like open books to the wise. Avec the words from the wise shall benefit man and beast. On peut avoir ça. Moi, je vais tester. Okay. Bah ouais. Et ça, des chances de coup critique. On va mettre un attaque de. Voilà, et là-dessus, on se dit à la prochaine. Bye bye.